Dites-moi, quand Toumba a demandé au leader de descendre, et à quel moment et comment vous vous êtes retrouvé seul avec Seludelen, étant donné que vous étiez nombreux comme garde-corps qui l'accompagnaient? Expliquez-nous ce passage. Nous avons dit que Toumba nous dit yon aru kono woni riha taw kono ngeseludale bay kono ngoy garde corbe buy wonno don kono sediru don ha lutti ono ngi garde seludale pet ba o commandant Toumba Diakité ari kan commandant Toumba Diakité est venu warde groupe mako. Il est venu avec son groupe de sa taille policier ben hino fellude pour de ngar ka ka beton douga mo toni ni sa ba hora me den kofuri leader be ben le policier tiré contre le toit du béton et les égratignures tombées sur nous ont protégé les leaders. On m'a commandant Toumba Diakité ba ari o landi o ni ko hombe mo bi da. Quand commandant Toumba Diakité est venu, il dit quels sont ceux qui sont regroupés là? Leader jago jabi o kambe leader bebe. Il y a un leader qui a répondu, c'est nous les leaders. O wi awe ba ari makko. Donc venez vers moi. Kambe tun goddo goda joku de. Mais les leaders seulement, il faut pas que d'autres personnes suivent. Mais ne bastonnez personne aussi. Mais faut qu'il me arrive mentalement. Nous sommes venus, on est venu le trouver. Faut nous quand même faut que ma cordon policier je faut à la chelou au série à la gang au bantibe. Au niveau où on se rencontrait, tout juste il y a un policier qui a pris et là au col il a giflé. C'est bon. Il faudrait un peu résumer. Et quand ils vous ont dit de sortir. Selon vous, pourquoi ils ont fermé le portillon? Oh, mais si by ben yon nat onon ko e hakil bun ko fi hondum be sokiri bafun to sokunkun. Ko fi wata lutto ben jokume. C'est pour ne pas que le reste là nous suit. Est-ce que vous savez que ce portillon a été justement fermé pour encore davantage maîtriser ceux qui étaient à l'intérieur pour encore davantage perpétrer les massacres? Est-ce que vous le savez? O si tay do ngandi ko be soto gi ba fon kon ko fi no be folo ra wom der ton be burtabe lettude be burtabe waru de kadi ko sabudu no ba remene nato ben ko men nayo nato no. Bon, c'est ça, parce que nous qui sommes rentrés on était seulement 4. Très bien. Et à ce niveau, à quel moment précis les agents, dites-moi d'abord, quels sont ceux qui accompagnaient le colonel Thieboro sur la pelouse? Oh, ko ya yeto be kombe wonno ko douti colonel Thieboro ka pelouse colonel Thieboro kanko groupe makko hibe jilli no bere rusno mabbe e gendarme bere verno mabbe. Ah, c'était mélangé avec son groupe, les gendarmes bere vert et les bere rouge, c'était mélangé. Est-ce que de votre point de vue il exerçait une autorité sur ces éléments là mélangé hétéroclite? Est-ce que e hakil mon ko kanko wonno yamiro ben? Ah, façon de mire non fait iran non hari mi andi kan ko ni yamirde puisque ba men nati ko adi wide sellu ko anni. Donc la manière dont il faisait, ça nous a indiqué que c'est lui qui les ordonnait, parce que quand nous sommes rentrés il a dit sellu c'est toi ça. Dites-moi, et quand ces agents exerçaient des violences sur sellu et vous, est-ce que le colonel Thieboro était présent? Au fin de ben sori ben lettata on be pia on ngi ala giselo wo si tay har Thieboro noto ko kambe wondi premier adi do libugol ala cello Thieboro no dari takko dum. Ils étaient ensemble, le premier qui est venu pour terrasser et là c'est le Thieboro était là-bas. Est-ce qu'il est intervenu pour ne serait-ce que ordonner à cet agent d'arrêter les violences qu'il exerçait sur Selou Dalen? Est-ce qu'il est intervenu? Est-ce que l'homme no hakunde mabbe inna e modi fi tum tawadu ko wadi kon. Il n'a pas fait ça. Tout ce qu'il disait, c'est lui, je t'ai dit de ne pas venir. Combien de fois le colonel Thieboro a assisté, combien d'épisodes se sont passés au cours desquels des agents ont exercé des violences sur vous sans que le colonel Thieboro n'intervienne? Est-ce que vous avez compté le nombre de fois? Oh la la hunde si tongandi ko labi jelu dun no ila kam fotte makko don ha kam yalto be libi dilan ala cellu don kuji di men piade fo himo wonde mabbe o wiali acce hay goto hadal yu accu to piu. Depuis qu'on s'était rencontré
jusqu'au nouveau où on nous va terrasser avec Allah, ils nous sont tombés. Tous les coups que nous ont administrés, il n'a jamais dit de laisser. Est-ce que le fait de dire à Selou Dalein qui était martyrisé, sur lequel on s'acharnait, le fait de dire haut et fort devant ses agents, tu as cherché ce que tu auras ici, tu seras seul responsable, n'était pas une façon d'encourager ses agents à poursuivre leur sale besogne? Est-ce que Koko Oli Don Kontum a hebi koda itira kon? Est-ce que nous n'avons pas à tâche tuni de azambe makobe yobe wadu mokoko be wono wadde? Ari nous n'avons aucun beholare tuchal no badira kalok be fala wadde me. Ça c'est le donner l'assurance et le courage de faire tout ce qu'il pouvait faire sur lui. Est-ce qu'il y avait un quelconque risque pour le colonel Thieburu s'il intervenait pour faire cesser ces violences? Est-ce que Haré no wau no colonel Thieburu ko wata o wada ha? Si tu as un harako, on a un imanino, on a un wadde, on a un imanino, taiko ko fala ko wadde won ko do ne wadde. S'il n'était pas parti pour faire ça, il avait la possibilité de faire, d'empêcher. Mais comme il était parti pour ça, c'est pour cela qu'ils ont fait. Dites-moi, qui a fait sortir Selou Dalein du stade? O kombo joni mo hompa kombo yaltini Selou Dalein ka stade. Mena sécurité en cas quand oui mais porter si bébé. Les sécurités ou ceux qui lui disent qu'on l'a protégé. Je voudrais dire quand ils l'ont roué de coups, ils l'ont blessé, et même a cassé ses côtes. Qui l'a porté au dos pour le faire sortir du stade? C'est colonel Thieburu? C'est par l'intérêt de son garde-corps ou c'est vous? O joni harey fendobe ruki mo kale di be heli mo beccede. Ko colonel Thieburu woni ko bambi mo yaltini mo kako an? Non, ila ka teren ko mi bambi be haka be li men don ka be libbe don gadi ko mi bawri imi ba ugini ke horma be pimo ni tiemo amem be pimo kango bawri ha be accitimo ka be imina don ko mi be bambi ni be gadi ha me hewto ka auto ka men jawna don. C'est moi qui l'ai mis au dos jusqu'à ce qu'on nous a terrassé aussi. Quand ils ont bastonné, il était là-bas, Baouri s'est venu s'accroupir sur lui, on l'a frappé aussi, on l'a frappé, lui-même il a dit maintenant tuez-moi. Après ça aussi, c'est moi qui l'ai mis au dos jusqu'au niveau de la voiture. Donc vous aviez un bras fracturé, mais c'est vous qui l'avez porté au dos, oui ou non? Tay wono jungo mun gonno heli kono kono nabi mo kawto. Kodun jungo ngonno heli ko ngangal ko be me yanti hore magango ngo gata hay hornu boni feuda do gotaji kono tay fera la be mi wakilo mi porté ça. Donc c'était ça, la même facture. Quand je suis tombé sur le genou là, il y a un nerf peut-être qui était coupé, c'était enflé, mais je n'avais pas autre choix, il fallait le faire comme ça. Est-ce que le colonel Thieburu n'avait pas les moyens ou en tout cas les éléments suffisants pour aider Selou Dalein de cet endroit-là pour le faire sortir du stade? Est-ce qu'il n'avait pas les capacités de le faire? Est-ce que colonel Thieburu wata yamir de wara faire et fira walita gol Selou Dalein don ha jawna mo kawto mo marno kono ba ko imani ko wadugo men ko wadi don ko ha hundo entrevenal ha ka auto makko ko minge bawri kedi gerdi e hore jungang helungo hamen nade be kan der ba fal auto. Ah, il pouvait, mais comme il n'était pas parti pour cela, c'est moi avec Baouri qui ont apporté avec le bras fracturé jusqu'au niveau de sa voiture et on l'a fait rentrer. Est-ce que vous savez que le colonel Thieburu était un habitué des faits? Oh, c'était il en a dit colonel Thieburu ko wodo wadde dum. La femme du docteur Keita a demandé de l'aide au même colonel Thieburu pendant qu'elle était martyrisée par des militaires. Il a refusé de lui apporter son aide. Bengu docteur dabirno mo faabo fendo ka be tapata mo don pendo ka be lettata mo don on don kadi o faabo noki on ko wawtu o ko wawtu don don mi andande be yidi kono min yirdo o da on ha me sedo yimi dan don don mi hibiralmo faabo mojo. Moi je ne sais pas comment ça s'est passé pour l'autre cas, mais moi avec l'autre là, ce cas là, je sais comment on s'est séparé. Est-ce que vous savez qu'en guise d'aide, c'est le garde-corps du colonel Thieburu qui a giflé la femme du docteur Keita? Cela a été dit ici. Oh, c'était balal rebuno wo ko garde-corps du Thieburu wonno ko penti debbon. Non, mais andana yeso wa. Bon, ça je ne sais pas, ça s'est pas passé devant moi.
grâce à votre bravoure, à votre détermination et à votre ténacité, vous avez porté ces loudalais jusqu'à l'extérieur du stade, oui ou non? Modi ko wakilare munden e chuchangal woni ko nabi selludalen haka oto. Est-ce que pendant cette phase le colonel Tchiebora vous a apporté une quelconque aide, ne serait-ce que demander aux gens d'arrêter de vous frapper? Est-ce qu'il a fait? Wo sitay fendo wade no dum ballal cheguru hebuno ko fandi yo ko fandi hay innugol awaton pibe. Est-ce que dum wadnu ba men nada makor makko desame fukiti téléphone makko soni on goddo noddimo landike mo fi programme la tiel. C'est pas, on n'est pas arrivé à ce niveau, s'il vous plaît. Essayez de résumer avec la permission de monsieur le président. Voilà. Voilà, je disais, est-ce que il vous a apporté de l'aide? À l'intérieur du stade, jusqu'à quand le stade a fait le cas. Ballal wadale feu. Rien, il n'y a pas de, il y a pas d'aide. Donc il a fallu que vous vous débrouillez vous-même pour quitter le stade, recevoir tous ces coups pour venir jusqu'au véhicule du colonel Tchiebora, n'est-ce pas? On connaît un drone de moha tawadin kuji ko dumannu don kon ko be fay won jungo ha hewtu don ka auto colonel Tchiebora ne. Non, on est. C'est comme est-ce ça. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est par hasard que vous êtes venu vers le véhicule du colonel Tchiebora? Est-ce que on va ta une de haurt tun ardon ka tel auto Tchiebora? Ah ba men ari ha me hewti ko to wono bawri inno be wallumo o heba auto ka wona ba alaje fi kependo état mo be wono c'est état dansé. On ma ya en gendarme mo jodi awre piko ba loino on wala en piko ici. Ouais, c'est lorsque nous sommes venus jusqu'à ce niveau bawri a dit aidez-moi. Nous sommes avec quelqu'un qui est dans un état dangereux. C'est en ce moment qu'un gendarme a dit, voilà un pick-up ici. Donc, c'est à cet instant précis que le colonel Tchiebora a décidé finalement de vous conduire. Qu'on sait non que le colonel Tchiebora est père Nabougolon. Est-ce que... Oui, allez-y. Non. On doit pas men nadi gato alaje wali ke hora ngi hora ba wuri men fokiti après minu colonel Tchiebora nati. Quand nous sommes rentrés, Elage était couché sur moi, sur les bras, et étalé de l'autre côté sur les pieds de Bawri. C'est en ce moment qu'il est rentré, c'est en ce moment que j'ai su qu'on était dans la voiture du colonel Tchiebora. Très bien.